Et bonjour à tous. Dans cette petite vidéo, je vais vous proposer surtout la rééducation que j'ai. Donc comme vous voyez maintenant, hop, je remarche. Et donc je vous ferai découvrir aussi le bricolage que j'ai fait durant ma convalescence. Et puis le départ bientôt pour le Tour de l'Occitanie en 2020, pour 2021. Donc on va faire une petite road trip vers les Pyrénées-Orientales par la suite de ma vidéo. Et puis ensuite je vous embarquerai vers l'Aude. Et puis on remontera vers la Vendée pour les prochaines vidéos. Donc c'est parti. Attention, les gens sont concentrés à la pêche. Ils sont tous à la pêche. Donc on est au bord de l'aire de Bressol, dans l'avion, dans le Tarn. Donc les gens ils pêchent, attention. Donc ça pêche le garbon. Donc le colis se promène. Hein. Il y a de la chance que maintenant il se promène en fait, vu que je marche un petit peu. Donc je fais de la rééducation tout seul, hein, sans kiner, sans rien en fait. Donc voilà. Polix, attention, hein, il y a l'eau là-bas. Hein, Doudou, tu fais attention. Hein, il y a l'eau à côté. Non, parce que monsieur Polix s'est noyé. Enfin, s'est noyé. Il a voulu aller dans l'eau et un monsieur, il n'a pas pu remonter, donc on a dû aller le chercher avec son collier. Qui l'a cassé après? Parce que monsieur n'était pas content d'être attaché. Hein, Polix? Donc là, on est au bord du Tarn. Donc dans l'air de repos, hein, c'est qu'on était. C'est qu'on est depuis 4 semaines avec Polix. Donc beaucoup de rencontres, hein, des bergers allemands, Enfin, on a fait beaucoup de rencontres, hein. Des gens qui me suivent, qui suivent aussi Annabelle et Idriss, hein, et qui me suivent aussi. Comme quoi, bon, voilà quoi. J'espère qu'on va se croiser avec Annabelle et Idriss en Espagne, avec notre tour. Hein. Que peut-être je ne serai pas tout seul, hein. Donc on verra. Ça pêche le carton. Chut. Et donc toujours avec Zébulon, hein, qui reste là, hein, toujours pareil. Bon, ben il a hâte de partir. Hein. On a hâte de partir. Donc vous avez vu, hein, toutes les régions que j'ai fait déjà. Hein. Tout est marqué dessus. Hein. Donc il manque pas grand chose encore, toujours Madine Montauban, mais ça va changer, ça va partir sur sur la Vendée je pense. Hein. Et donc Zébulon est bien garé, hein. Donc comme je suis en convalescence, en fait, j'ai profité de faire quelques bricoles. Vous voyez, à la porte du garage, là, il y a un petit problème, en fait, c'est que la serrure, en fait, elle s'en va. À chaque fois que je roule, en fait, elle s'ouvre. Donc, il va falloir que je règle ça. À la porte de derrière, c'est pareil. Et, en fait, on m'est rentré dedans à l'arrière. Alors, je vais vous montrer ça. Comment dire voilà le bordel, quoi. Ça avance presque, hein. Il y en a partout du bordel. Je suis en train de vider tout parce que là ça sert plus à rien tout ça. Le gros coup de nettoyage avant de partir, avant de faire le road trip. Hein. Donc un peu la galère. Mais bon, on avance. Même si on dirait pas, on avance. Et donc on est en train de remonter. Je suis en train de remonter la batterie pour savoir si ça marche. Donc on va voir ça. C'est le démarreur pour le plus. Je vais pas rentrer. En tout cas, il y a l'air d'avoir du jus. Galère à rentrer. C'est pas grave, on va mettre un petit coup. Thank you.
pour essayer, pour voir si ça remarche. Ouais, hop, on va rentrer dans Zébulon. Oh, viens voir si ça remarche. Hein. Et voilà, ça remarche. Et donc le camping-car est nickel, il remarche. Donc avec le plâtre, c'est un peu la galère. Mais bon, avec le plâtre, ça marche. Si j'appuie avec le poing, ça le fait. Donc c'est bon, ça marche. Petit matin, café, la petite musique, enfin la liberté. Poli, c'est tranquille, c'est cool. Ben, ça a l'air de bouger, nickel. À gauche, à droite, à gauche, à droite. Hop, hop. Ça le fait. Eh ben, Poli, il a trouvé son amoureuse. Et où est ton amoureuse? Ben, elle est là. Pollux, c'est ton amoureuse? Quand vous voyez Pollux avec sa petite taille, ben en fait il est pas petit comme ça quoi. Quand vous voyez la taille, hein. Il a un berger allemand avec un mon chien. Et donc aujourd'hui, enfin ce soir, cette nuit, donc voilà, là il y a un problème, c'est qu'en fait j'ai cassé le store. Donc le store, ça se présente comme ça. Donc je l'ai cassé encore. Donc moi en fait ce que j'utilise, je vais vous montrer. Donc moi j'utilise ça. Donc c'est du Sika en fait, c'est fait pour en fait tout coller en fait. Donc c'est de la colle mastic, donc on va essayer de coller ça comme ça. Donc on va y aller. Donc aujourd'hui je vais à Saint-Antonin, donc je vais dormir là-bas tranquille à Saint-Antonin-Nobleval pour un petit samedi, un petit dimanche au calme. Donc je vous ferai partager des petites photos comme vous avez voulu que je visite ça. Donc là je suis avec Zébulon, Pollux est là, il allonge avec moi, on est tranquille. Et donc on arrive à Saint-Antonin-Nobleval, comme vous avez décidé que je le visite, donc je vais vous le faire visiter. Donc voilà l'Aveyron, là il y a les gorges, et là-bas vous avez toute la ville, donc voilà quoi. Donc voilà, petit village médiéval. Donc l'année dernière, j'avais fait une petite vidéo et vous avez décidé que ce soit le plus joli village de Tarn-et-Garonne. Et c'est bien vrai en plus. Donc ici, nous sommes au Saut du Loup. On commence notre vidéo par ici en fait.
Et un petit réveil comme on les aime. Donc je vais vous montrer un peu où c'est que je suis. Tranquille. Donc on se lève là, pas mal. On est pas mal. Donc on est au bord de l'Aveyron. Hein. Franchement, se réveiller un matin avec ça, c'est pas trop mal quand même. On est pas trop mal là. Bon, ça fait comme un départ. En avant pour Saint-Antonin. Et donc, dans les prochaines vidéos, je vous proposerai, donc on va partir vers les Pyrénées-Orientales, donc on va rencontrer Dame, qui fait des terrains partagés, en fait. Et puis, nous rencontrerons Virginie, qui fait des terrains partagés, pareil, au Portugal. Et puis, on va rencontrer quelques membres à Balazuc-sur-Bain, je ne sais pas si c'est comme ça qu'on annonce. Et puis, je vous ferai découvrir Gruessant. Et ensuite, je vous ferai découvrir Carcassonne, Narbonne, Perrac, aussi qui est à l'île des Cigognes. Donc, je vous ferai découvrir tout ça dans la prochaine vidéo. Donc, n'hésitez pas à me suivre sur YouTube, Facebook et Instagram. Donc, Road Trip Découverte avec Zébulon. Allez, à la prochaine vidéo.